j'ai l'habitude de temps en temps reprendre un légume plus en détail. Si on écoute. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plus spécialement du panais. Donc le nom latin, c'est Pastinaca sativa. Alors c'est une plante bisannuelle, donc de la famille des Apiacées. Bon, anciennement, on appelait ça les ombellifères, donc c'est la même famille que les carottes. Alors, l'usage, on consomme principalement la racine, qui est de couleur blanche ivoire. Bon, c'est un peu un légume oublié. Hein. C'est... Bon, maintenant, on commence à retrouver à nouveau, parce qu'on a mis ça un peu à l'ordre du jour. Mais c'est un légume très ancien, et on a même retrouvé des traces de sa culture en Égypte ancienne, donc très très longtemps. Et par ici, ça a aussi servi pendant des siècles comme base d'alimentation. Donc ça faisait partie de l'alimentation courante par ici. Et même en 1850, il était cité dans des références potagères. C'était un des légumes les plus cultivés en France. Alors, bien sûr, au début du XXe siècle, le panais a un peu cédé sa place au profit de la carotte. La carotte qui a un goût plus fin. Voilà. Et aussi... avec l'arrivée de la pomme de terre, qui, elle, était quand même plus productive que le panais. Et ensuite, le panais a été plutôt relégué comme nourriture pour les animaux, donc c'était plutôt des racines fourragères. Mais alors, c'est encore très apprécié en Angleterre, donc c'est encore très... cultivé et consommé en Angleterre. Donc, d'ailleurs, il y a une variété qui s'appelle Guernesey, donc la mi-langue de Guernesey. Donc c'est une île anglaise. Et voilà, c'est quand même encore bien utilisé en Angleterre. D'ailleurs, une petite parenthèse, il y a le roi Charles III là, qui devait venir en France. Là. Il n'est pas venu finalement. Hein. Il était invité par Emmanuel Macron à Versailles. Je me demande s'il n'y avait peut-être pas ça dans le menu pour manger. C'est ça qui n'est pas venu. Il est parti en Allemagne, hein, pour manger des cartoufles. C'est pas vrai, c'est une petite parenthèse. Il n'avait pas envie de ramasser les poubelles. Ouais, en plus. Mais comme ça corre un petit peu un pointilleux, c'est pas vrai, hein, bon, voilà. Je vous laisse juger. Bon, allez. Revenons un peu plus sérieux. Donc, la redécouverte, ben voilà. C'est quand même un légume qui est devenu injustement méconnu. C'est un peu dommage. Donc, maintenant, on le retrouve un peu dans l'éventail des légumes oubliés. Bon, parmi le topinambour, le rutabaga, les crosnes. Les chouquets, ben, tout ça, ça revient un petit peu à la mode, parce que bon, il y a des gens qui ont essayé, goûté, et voilà. Et parfois, il faut retrouver des façons de cuisiner aussi, qui sont un peu plus proches des goûts actuels. Il faut un peu de volonté, bonne volonté, pour aussi découvrir, et laisser découvrir d'autres légumes que ceux qu'on propose habituellement. Alors, son goût, ben, ça se situe un petit peu entre la carotte, le stocenaire et un petit peu la pomme de terre. Un petit peu... Donc, le panais, il est plus nourrissant que la carotte. Hein. Donc, au niveau... Donc, c'est un légume un peu farineux. Donc, plus farineux que la carotte. Et aussi plus sucré. Et surtout après le gel. Donc... Et ça, c'est une des caractéristiques, c'est que c'est un légume très rustique,
et très résistant au froid. Donc il peut rester tout l'hiver dans le jardin. Et sans dégâts. Hein, donc il résiste facilement à des moins 4, de moyenne. Et même occasionnellement des points jusqu'au moins 10. Voilà. Tant que ce n'est pas tout le temps. Et ça résiste. Hein, et d'ailleurs, on peut encore le récolter maintenant. Hein, souvent, le feuillage disparaît. Et maintenant, on voit que ça repousse. Donc, c'est maintenant qu'il faut ces dernières limites pour consommer. On voit que le feuillage recommence. Voilà, il faut le consommer avant que tout ne se vide dans le développement du feuillage. On ne pratique plus que le gène qu'on a eu. Non. Parce que l'homme descendu en moins 7 ans, là. Oh non, non, non. Non, non, ça tient. Oh non, ça tient. Il faut vraiment beaucoup plus et plus longtemps pour qu'il y ait du dégât. Et encore, c'est au-dessus parce que, bon, la carotte, elle est quand même dans le sol. Bon, tant que ça descend. Et puis, c'est quand même quelque chose de costaud. Donc, non, non, c'est vraiment. Moi, on, ça tient. Jamais vu beaucoup de dégâts. Moi, on, ça tient, oui. Alors, bon, la graine. Ben les graines sont des petites capsules plates, comme ça, un petit peu rondes, brun clair. Et alors, elles sont entourées comme ça elles sont un peu ailées. Il y a comme un petit auréole autour de la graine. Et c'est ça qui permet qu'elle s'envole beaucoup plus loin. Donc, c'est assez léger comme graine. Bon, il y a plus ou moins 200 graines par gramme. Alors, le gros inconvénient, c'est que sa durée germinative, c'est un an. La deuxième année, il y a déjà la moitié qui ne lève plus. Température de germination, il faut 15 degrés. Donc, maintenant, c'est peut-être quoi un peu tout. Ben, on pourrait commencer à le semer. Hein. Et ça se lève, et ça, la levée se fait de 12 à 18 jours. Donc c'est vraiment assez long. C'est un peu capricieux à lever. Le pH du sol, c'est 7, donc rien de particulier. Il faut savoir que la végétation, elle est beaucoup plus développée que celle de la carotte. Donc lorsqu'on met ça quelque part en place, il faut savoir que ça prend 3 fois plus de place en végétation, la feuille. Bien 3 fois plus grande que le feuillage et la carotte. Le feuillage ressemble un peu à celle du céleri. C'est assez développé comme ça. Pas parfumé comme le céleri, hein, mais comme ça, assez découpé. Et voilà, c'est assez grand. Alors, c'est une racine en principe pivotante. C'est souvent des variétés longues, demi-longues. Et parfois, pour les déterrer, c'est 30 à 50 cm. Hein, donc ça vient plus fin. Hein, mais quand on veut vraiment avoir tout le bout, ah, c'est parfois 50 cm. Hein. Souvent, on n'a même pas le bout, ça casse. Hein. Alors, le semis se fait quand? Bon, certains disent qu'on peut commencer à partir de mars. Bon, tout dépend un petit peu des températures que l'on peut avoir. Mais bon, de mars à juin. Mais l'idéal, je crois que c'est d'attendre mi-avril. C'est souvent là que le sol se réchauffe et qu'on a une meilleure levée. Hein. Donc, bon, il faut garder le semis aussi humide. On a eu, par exemple, des printemps très secs et pas très humides. C'est un peu plus compliqué à lever. Donc là... Directement en terre. Oui. En général, bon, on peut le faire aussi en gourdet, mais on va un peu expliquer ça après. Mais le mieux, c'est directement en terre. D'ailleurs, tout ce qui est racines, les carottes, bon, on dit en alvéole, tout ça, bon, tout ça, c'est possible si on veut vraiment hâter. Mais tout ce qui est racines pivotantes, c'est quand même mieux de le faire directement dans le sol, parce que lorsqu'on repique souvent, on casse ou on déforme la racine qui est pivotante, et alors la carotte, au lieu d'être allongée, elle forme une boule, souvent, parce qu'on a cassé le pivot.
Et bon, voilà, on a, bon, le panier sera plus rond que allongé. Bon, ça ne correspond pas vraiment à ce qu'on s'attend. Mais voilà, il suffit d'un petit peu attendre. Comme c'est un légume qui se mange très tard, donc ça, bon, est-ce que c'est vraiment utile de commencer très tôt pour dire d'avoir mangé très tôt? Peut-être qu'il vaut mieux attendre que les conditions de température du sol soient meilleures pour avoir une levée plus facile. Voilà, donc j'ai dit que les facultés de germination ne durent pas longtemps, donc quand vous entamez un sachet, ben, semez-le vraiment la même année. Sinon, ben, faites plaisir à un ami qui n'en a peut-être pas, et voilà. Comme ça au moins, si vous semez l'année suivante, ben, vous avez le risque que la moitié ne va même pas lever. Donc, allez, on a intérêt vraiment à liquider son sachet la même année. D'ailleurs, ici, on les jette d'office. L'année suivante, ben, c'est jeté parce que le pourcentage de germination n'est plus optimum. Alors, si on veut des belles racines, il faut un peu éclaircir. Parce que, bon, ça vient. Le collet peut venir comme ça. Hein, donc, vraiment, allez, presque, on peut pas dire 10 cm, mais on n'est pas loin. Là. Et voilà. Donc, si on les laisse trop denses, trop drues, ben, on aura beaucoup de racines, mais beaucoup de petites. Alors, ça a vraiment besoin de la place pour se développer. Donc, vous laissez entre 10 et 15 cm. Entre chaque plante. Donc il ne faut pas avoir la main trop lourde non plus. Bon, quand on a des étés un peu chauds et secs, bon, un petit mulching, paillage, c'est le bienvenu. Donc, ça permet de garder l'humidité et ça continue à bien pousser. Donc pour les racines que l'on veut garder pour tout l'hiver, on a peut-être intérêt à faire comme avec les carottes. C'est de semer une provision à partir de mi-mai. Donc ça, c'est... On sème à la mi-mai, on a les bonnes conditions. Et voilà, ça a le temps de tout pousser et de bien se développer. Et même en hiver, quand l'hiver est un peu plus doux, ben, elle continue à grossir. Hein, la racine continue à grossir. Donc ça pousse un peu bien dans tous les sols, donc rien de particulier. On dit souvent qu'il faut un sol sablonneux, mais non. Quand il y a des cailloux, évidemment, ou un sol pas homogène, on peut avoir des racines plus fourchues. Bon, ça présente un peu moins bien. Mais souvent, la racine, elle est assez large dans l'eau et descend. Donc c'est pas c'est souvent un peu très entoupi comme ça. Il n'y a pratiquement pas d'ennemis, ni de maladies, ni de parasites. Ce qu'on peut peut-être constater, c'est quand on a un sol, en hiver, hein, des sols très lourds et très humides, on a parfois, quand le niveau de l'eau est assez élevé, ben, on a peut-être intérêt parfois quand même à les enlever, mais il faut les mettre en silo. Donc, par exemple, dans du sable légèrement humide, parce que dans des sols vraiment détrempés, il peut apparaître des petites taches brunes. On peut avoir ça avec les carottes aussi, hein. C'est des genres de nécrose. Et voilà, donc il y a une pourriture qui peut se gagner, ça fait des taches, et alors on perd une bonne partie de la racine. Mais c'est vraiment dans les sols où il y a l'eau qui reste, et qui ne descend pas bien. Donc c'est seulement dans ces cas-là qu'il faut retirer. Parce qu'une carotte qui reste bien dans le sol, ben, elle reste vraiment bien ferme. Quand on enlève et qu'on met par exemple dans un seau pendant une semaine, ben, elle se ratatine. Hein. Donc la racine, alors c'est quand même moins bon. Elle va venir un peu plus coriace, la racine. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'en hiver, bon, le feuillage disparaît de lui-même et ça repousse à partir de mars, avril, donc ça commence à repousser.
Donc on peut en récolter jusqu'en mars-avril, donc comme maintenant. Donc, jusqu'à l'apparition des nouvelles feuilles. Alors, les ennemis. J'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'ennemis. Il y a quand même un peu de calamité. C'est pour les gens qui ont des mulots ou des rats taupiers. Ouais, ils adorent ça. Hein. C'est comme les taupiers d'Hambourg. Ils se mettent là autour et alors ils mangent vraiment par le bas. Et ils volaient juste le petit calot au-dessus avec le feuille. Hein. Donc c'est vraiment... Tout est découpé, mangé. Vous dites, tiens, et pourtant ça reste encore plus ou moins droit. Hein. Et vous prenez pouf. Et il ne vous reste plus que la touffe là et le calot au-dessus. Là. Bon, voilà. Ça, c'est un petit peu... Pardon ? Poisson d'avril. Ah ouais, c'est pas un poisson d'avril. Ça, c'est vraiment vrai, ouais. Alors, si vous avez des lapins sauvages qui gambardent dans votre jardin, vous habitez un peu à la campagne, ben, ils aiment bien manger le haut du collet. Ça peut arriver aussi. Les escargots ? Non. Ça va ? Non. Ils peuvent manger les feuilles sans que la racine soit touchée ? Ils ne sont pas très attirés par ça, non. Cool. Bon. Alors, les variétés les plus courantes sont souvent les demi-longues. Donc la variété de Guernesey, c'est souvent celle-là qui est proposée d'ailleurs dans les magasins. Mm-hmm. Ici on en a d'autres, hein. Je ne sais pas si on a beaucoup de variétés. Encore ici, bon, il y a la Mellow Crown, Long Harris, White King, White Gem et la demi-longue Turga. Bon, beaucoup de noms anglais. Hein. Ici, on a la Guernsey que je vais mettre dans la boîte. Donc, il vient d'arriver. Nouvel arrivage. Voilà. Pas encore été... Donc, ne laissez pas traîner. Il faut que ça parte. Hein. Ouais. Avec l'année prochaine, ouais. Plus bon. Ouais. Je trouve que ça vaut vraiment la peine. Allez, souvent, allez, en hiver, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va manger, on n'a plus grand-chose d'autre. Ben, tout ce genre de choses-là, de racines, il y a le scorcenaire, il y a le topinambour. Ben, il y a plein de choses encore qu'on peut manger. Allez, souvent, sur les marchés, on ne propose pas trop tout ça. Le panais, je pense que ça revient un petit peu. Hein, bon. Mais voilà, allez, c'est quand même facile, on peut garder ça au jardin sans trop de misère, sauf si on a des mulots, mais autrement... Allez, quelque chose de frais là qui vient du jardin, c'est vraiment... Allez, c'est facile, quoi. Alors, si on veut produire ces semences, on peut aussi laisser quelques plants, des beaux plants, hein, alors des belles racines au jardin. Ou bien, si on les a enlevés, on peut replanter au printemps, comme maintenant. On replante quelques belles racines qui vont former, qui vont repousser, qui vont faire leurs tiges. Et récolter par la suite les graines. Est-ce que vous voulez dire que vous pouvez les laisser ? Ah ben, c'est-à-dire si on ne les a pas enlevés, oui. Donc on laisse quelques belles racines pour faire un porte-graines. Donc on laisse repousser. C'est ça toujours la fameuse. Voilà, on laisse repousser et on n'y touche plus, et voilà, ça fait une tige avec les graines. C'est une plante entomophile, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup pollinisée par les insectes. Alors, l'inconvénient parfois des graines, c'est qu'elles peuvent entrer en dormance et que, voilà, on sème et ça ne lève pas. Alors, pour parer à ça, bon, je pense qu'on a déjà souvent expliqué ici, c'est de les faire passer avant semis 48 heures au congélateur. Donc, pour elles, c'est comme si c'était un hiver artificiel. Enfin, c'est un hiver, mais artificiel. Et lorsqu'on les ressort du congélateur, ben voilà, il y a une température meilleure. Donc elles se disent, l'hiver est passé, on germe plus facilement. Monsieur, systématiquement, hein, on peut faire ça avec toutes les graines, oui, pour qu'elles aient le choc de l'hiver. Oui, mais c'est surtout pour certaines variétés qui ont tendance parfois à entrer en dormance. C'est la méthode artificielle qui permet de passer outre cette dormance. On a ça parfois avec la laitue Apia, qui, une fois on rentre en dormance, ben voilà, ça met beaucoup de temps à lever. On fait ça en congélateur. Voilà. Ça permet de
faut peut-être pas le faire systématiquement toutes les semaines, puisqu'il y a certaines qui n'ont pas besoin de ça. Frigo ou congélateur? Ouais, 48 heures, pas plus. Donc c'est gelé. Ah oui, vous le laissez. Mais il y a plein de choses comme ça, comme la tétragone, qu'on essaie. Ben voilà, c'est une carapace assez grosse. Ah ben, les trucs, les tétragones qui se sont semés par eux-mêmes, qu'on a laissés sur le jardin, ben d'office avec le froid donc, et l'humidité, ça, cette carapace est trempée, il y a eu le froid. Et voilà, ça germe tout seul une fois que les beaux jours arrivent. Alors que si vous l'achetez, il a été conditionné en sachet pendant X mois, ben, ça est un peu plus dur à lever. C'est un peu la mémoire génétique. Il y a une intelligence dans les semences, hein, ça c'est sûr. Il y a des choses qui lèvent parce que c'est pas uniquement les conditions artificielles qu'on fait, mais on dirait que surtout à l'extérieur, il y a un effet mémoire. Et la tétragone, il faut la passer au congélateur aussi. Mais allez, c'est parfois étonnant qu'on dit tiens, allez, j'ai des graines qui poussent là toutes seules. Maintenant, alors que j'ai tant de mal à faire pousser, et comme ça, dans des conditions naturelles, ben, ça germe tout seul. On fait plein d'artifices et ça pousse tout seul. Alors, en cuisine, bon. Principalement, le panais se mange cuit, principalement. Bon, certaines personnes, le rap aussi, mangent cru. Bon, c'est un peu plus farineux, c'est pas aussi juteux qu'une carotte. Ben voilà, bon, il suffit d'accommoder peut-être à son goût. Bon, c'est une racine très parfumée et même sucrée au goût. Surtout lorsqu'elle a subi un peu de gel, parce que les sucres se sont. Enfin, les hydrates de carbone se sont transformés en sucre et voilà, ils deviennent plus sucrés après le gel. Souvent, il est cuit à l'étouffée, à la vapeur. On peut sauter à la poêle aussi, une fois que c'est cuit. On peut les cuire et les mélanger avec des carottes. On peut en faire de la purée aussi. Purée de panais, c'est très bon. Avec un peu de crème fraîche. Pas mauvais. Certaines personnes l'ajoutent aussi dans le couscous. Donc ça donne aussi un peu un goût particulier, un peu sucré. C'est un petit peu le goût du céleri rave, je trouve. Ouais, c'est moins fort que le céleri rave. Hein. Ouais, ça se situe. Ouais, c'est. Ouais, j'ai dit, hein, entre la carotte, le scorsonnet. Ouais, pomme de terre ou céleri grave, ouais. Mais c'est pas si fort que le céleri grave. Oui, c'est moins fort. Bon, il y a aussi des recettes avec des sauces blanches, au fromage, au gratin, bon, voilà. Il y en a pas mal. Donc à la poêle, là, j'ai dit, avec un peu de beurre ou d'huile, avec de l'ail. Une recette, là, que j'ai vue, là, ça a l'air d'être pas mal. Bon, il faut d'abord la cuire et ensuite mélanger. Et rissoler avec des pommes de terre et du lard et des oignons. Bon, ça doit être bon. Oh, c'est pour l'hiver. Hein. C'est hollandais, ça. Comment ? C'est hollandais, ça. Ouais, je sais pas. Ouais, dans le nord de la France, hein, dans les petits bistrots, là, les. Comment on appelle ça ? Les estaminets. Les estaminets, là, voilà. Ouais. Les couper en petits cubes et caraméliser à la poêle. Ouais, c'est ça. Donc ça donne un petit goût, là. Ouais, on fait des bonnes choses, là, ici, dans notre région. Bon, allez, j'ai encore le temps de parler d'autres choses. Là, je ne sais pas, il y avait des questions sur le panais. Alors, bon, depuis le début de l'année, je repars régulièrement les cultures associées, méthode Gertrude-Franck. J'ai commencé ça en janvier, février, mars, j'en ai parlé aussi. Bon, ici, c'est un peu la suite. Bon, j'ai déjà dit pas mal de choses, mais bon, peut-être des petits rappels. Donc, si vous voulez vraiment connaître le principe de cette culture, bon, c'est associer les plantes
et utiliser des plantes engrais. En gros, c'est ça. En même temps que les cultures qu'on cultive. Donc, les semis de plantes engrais, c'est les semis d'épinards engrais. Donc, en principe, ces semis-là devraient être terminés. Donc, tous les 50 cm, on sème des rangées d'épinards. Au jardin d'Albec, j'ai mis en route une parcelle de plus ou moins 150 mètres carrés dans lequel je fais cette culture-là. Voilà, les épinards sont à peu près cette hauteur-là. Et j'ai commencé déjà à semer certains légumes. Donc le principe, c'est aussi semer en étalant les cultures, donc pas tout semer d'un coup, donc pour avoir des légumes à des périodes différentes de l'année, et qu'on n'a pas, par exemple, on ne va pas semer tous les laitues en un coup, on va semer progressivement, et donc au fil du printemps ici, on va semer des variétés. Donc, des variétés actives, bon, par exemple les carottes, les panais, on peut aussi commencer. Les laitues, parfois mélangées avec un peu de radis, un peu de cerfeuil, sur la même ligne. Les betteraves potagères, on peut commencer aussi. C'est trop tard, monsieur, pour les épinards? Non. Il faut savoir que l'épinard lève facilement à basse température. Mais par la suite, tout dépend de la météo, mais après ça peut monter très vite à graines. Donc si on commence à semer trop tard, ouais, ils vont pousser, mais ils vont pousser très vite à graines aussi. Voilà. Mais le principe de l'épinard, c'est bien sûr plante engrais qu'on va recycler sur place. On peut en manger évidemment, mais le principe, c'est de le hacher sur place. Et ça apporte l'engrais au sol. Donc, j'ai parlé des semis. Bon, il y a aussi les petits pois. Donc, j'ai commencé le semis des petits pois et des fèves. Ben, les fèves commencent à lever, j'ai vu. Les petits pois, malgré qu'il fait très frais et humide, voilà, sont là aussi. J'ai vu que ça lève. Si, si, si. Ils sont pas de la température, les petits pois. Ah, ben, pourtant, ils sont là. Malgré que la température baisse, hein, mais bon, voilà. Donc bientôt, on pourra faire, comme Gerson dit, les semis d'oignons. Donc là, un petit peu plus de température. Mais planter les bulbes d'oignons et d'échalotes, ben, ça, on peut faire aussi. Donc il y a des rangées A, B, C. Bon, je ne vais pas tout réexpliquer, mais voilà. C'est, si vous voulez en savoir plus, regardez les cours qu'on a fait début d'année, vous allez comprendre. Donc on peut continuer les semis de couvre-sol, c'est-à-dire que les semis d'engrais vert, autres que l'épinard. Donc on va semer ça où? Aux endroits où on ne mettra que certains légumes à partir de mi-mai. Donc des légumes frileux. Donc ça peut être donc, aux endroits où on va mettre les tomates, le maïs, les haricots, les courges, les concombres, les choux. Donc c'est tous des endroits qu'on va seulement venir planter, par exemple le chou, bien après. Mais on peut avoir semé de la moutarde, du seigle, du trèfle, voilà, tout ce genre de choses-là. Donc c'est quoi le couvre-sol? C'est essayer d'avoir toujours un couvert végétal sur le sol. Ça protège le sol, ça nourrit le sol. Donc un sol nu n'est jamais bon. Dès qu'on a semé des choses, il y a des racines de ce qu'on a semé se développent. Ça fait travailler les bactéries et les champignons qui sont autour des racines. Ça rend le sol vivant. Et lorsqu'on mettra nos cultures d'été, donc ceux que j'ai cités, tomates, choux, haricots, on va simplement détruire sur place la partie de couvert végétal à l'endroit où on va planter le légume. Par exemple, c'est à l'endroit d'une tomate, on plantera la tomate tous les 60 cm,
ben on détruit que l'endroit où on mettra la tomate, on la plante et on recouvre du couvert. Le reste peut continuer à pousser. Le tout, c'est jongler avec ça, qu'il ne faut pas que l'engrais vert vienne plus haut que les cultures. Donc, il suffit simplement de couper. Oui, mais c'est couper. Couper, pas arracher, couper et remettre sur place. Et dès que vous voyez qu'il y a concurrence, ben, il suffit d'arracher et de relaisser sur place. Bon. Voilà. Il faut qu'il y ait une activité bactérienne dans le sol. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des sols qui seront beaucoup moins sujets au dessèchement. On en parle beaucoup maintenant, hein, de dessèchement dans les cultures. Et les fermiers se posent la question aussi. Hein. On crée des méga bassines dans des endroits pour arroser. Mais on n'a toujours pas compris que arroser, non, il faut garder l'humidité dans le sol. Parce que si vous arrosez, vous perdez à nouveau tout par évaporation. Et ça, il faut vraiment qu'on comprenne ça. C'est un peu une autre façon de cultiver, mais bon. Je sais qu'au niveau industriel, enfin, au niveau de l'agriculture, c'est parfois moins facile, mais il y a des fermiers qui font leur démarche, hein, et qui sèment dans un couvert végétal, et ils arrivent à gérer ça. Bon, le tout, c'est de... Voilà, c'est un peu en recherche. Mais dans de nouvelles conditions climatiques, eh ben, il faut s'adapter, hein, rien à faire. On est piégé par notre propre ignorance et notre façon de faire. Voilà. Alors, on va revenir à notre potager. Donc, et ça garde aussi une bonne structure du sol. Hein, parce qu'on a des plantes vivantes, hein, qui poussent. Voilà, ça crée plein de vie dans le sol. Alors, ne pas oublier la place des fleurs et des plantes condimentaires dans ce jardin. Donc il y a des semis de fleurs annuelles qui peuvent être faits directement sur place. Donc, vous laissez tomber par-ci par-là des graines de souci, de la bourrache, voilà, facéli. Moi l'année passée j'ai laissé pousser du myosotis. Vous connaissez ça, hein, c'est quelque chose de très volontaire. Ben, maintenant ça va commencer à fleurir, ça attire plein d'abeilles. Hein. Pour la pollinisation. Oui, 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 voilà. Donc on attire aussi les pollinisateurs aussi pour nos arbres, tout ça. Donc ça commence à fleurir maintenant. C'est vrai qu'après ça se ressème facilement, mais ça se retire facilement aussi. Donc donner un coup de... Une fois que ça gêne ou que voilà, il suffit de hacher sur place. Et voilà, vous avez à nouveau un couvert. Voilà. C'est toutes des petites choses comme ça qui aide la nature à garder la vie dans nos jardins aussi. Ça, c'est très important. Alors, pour les autres fleurs qui sont peut-être un peu plus sensibles, ben là, on peut commencer à semer en godet, donc mars, avril. Et alors, on viendra repiquer ça par-ci, par-là, dans le jardin. Donc, j'avais aussi parlé que le jardin, de jardin associé, on faisait le tour, on laissait un tour avec des fleurs, des plantes vivaces, des plantes condimentaires. Voilà. Donc c'est ces endroits-là où on va planter de plein de choses, on pourra laisser pousser sans que ça gêne les cultures potagères. Et là encore, on a pris plein d'insectes et ça nous sert aussi de couverture si ça vient trop important. Donc je pense par exemple à la consoude qui peut devenir même envahissant, mais ça donne un bon couvert végétal que l'on peut utiliser. C'est de la potasse, un peu d'azote, voilà, et on recycle sur la terre. Alors ne pas oublier aussi certaines plantes qui sont un peu plus frileuses, la sarriette et le basilic, qui n'aiment pas trop le froid, donc ça aussi il faut semer un peu sous protection. Donc à partir d'avril, ça vient bon, hein, pour le faire. Alors, j'ai parlé des planter des choux, ben si vous plantez des choux, ben, il faut les semer aussi, hein, pas oublier de les semer. Donc là on peut les semer en godet,
un peu comme Nia ça fait pour les tomates là. Donc moi j'ai, par exemple chez moi j'ai déjà préparé des, j'ai semé des choux pointus là, des choux au cœur de bœuf là. Ben, ils sont déjà en gros comme ça, j'ai déjà repiqué individuellement. Ben, voilà, on peut faire ça avec tous les choux. Et ensuite, ben, dès que, bon, à partir de mi-avril, ben, on peut repiquer. Donc, quand ils sont rancés, on repique aux endroits adaptés, aux lignes A ou B. Donc, on va un peu revoir ces cours-là. Pas oublier que le chou aime bien d'être associé avec le céleri. Donc, le céleri rave ou le céleri à jet, ben, le céleri à côte. Le céleri rave, il faut l'avoir semé aussi en mois de mars, pour dire d'avoir quand même des raves à temps. Le céleri à jet, qui lui est beaucoup plus facile, peut même être semé sur place maintenant. Bon, moi j'en ai semé aussi en terrine et pour avoir des plants ensuite pour associer avec les choux. Mais le céleri à vert à couper, ben, il peut même être semé comme ça, en couche, ou bien même directement sur place. C'est encore possible, celui-là. Ben, il servira de couvert et protection contre la chenille du chou, hein, les périls du chou. Ben voilà, je vais arrêter là. S'il y a des questions aussi à ce sujet-là, je ne sais pas. Ben voilà, je vous laisse. Merci. Bon appétit. Merci. Bon mois de semaine.